Stürmer. Genre, du sais que je suis détruit, je savais. C'est pas très efficient, mais bon. Mais bon, on va s'en contenter. Donc là on va rapidement raser. Là il faut en profiter qu'il ait perdu déjà ces deux bâtiments là. Comme ça il reste déjà plus que le château qui est bien endommagé. Donc n'hésitez pas à l'attaquer dès le début hein. C'est ce que d'habitude je faisais. Mais quand j'ai voulu faire la vidéo, j'ai réfléchi un petit moment. Je me suis dit que ce serait plus agréable pour vous de montrer comme si quelqu'un découvre la mission pour la première fois. Et éviter de vous spoiler en fait. Et bien évidemment, la bonne continue à l'attaquer, ce qui est génial en soi. J'aurais bien aimé pas perdre mes unités à distance de tout à l'heure, mais bon, je les ai perdues. Ah, parfait, il va me détruire. Ça, c'est génial. Vu qu'il a perdu son château, il a capitulé. Et nous, on va pouvoir. Ça veut dire aussi une chose, hein. C'est-à-dire que l'ennemi va nous attaquer maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Ça c'est bon. Ici ça va tout être bon. Il faut assez rapidement en fait c'est une... Comment s'appelle ces unités? Ah j'ai plus en tête. Vitesse 0,65. Voilà, en parenthèse, c'est l'amélioration en fait. Avec les améliorations, sous améliorations. Donc là, vous attaquez ça. Donc, vous mettez en neutre comme ça, ils vous considèrent pas comme un ennemi. Ah, mais c'est vraiment des astuces ça. Vous mettez en neutre, ils vous considèrent pas comme un ennemi. Vous éradiquez tous les bâtiments un par un. Une fois qu'il est mort, ben vous en profitez. Donc ça c'est bon. Ici il me faudra rapidement. Ici on va un monastère, je veux dire une relique, un monastère pour la relique. Ici il me faut des villageois aussi pour lancer mon économie. Mais bon, là c'est niveau or, généralement, c'est pas ce qui pose problème. Dans cette mission-là, vous n'aurez pas trop de problèmes du fait. Ah, j'ai plus de place en pop, je suis bête, j'ai plus ressort. Du fait que vous faites du commerce, ça aide déjà beaucoup hein, pour l'or. Attendez, je suis en train de voir que j'ai des problèmes de pop. Donc l'or vous aurez globalement grâce aux charrettes de commerce, donc c'est pas le plus important, et beaucoup de dons.
de vos alliés qui sont responsables de ce tort aussi. Donc ça c'est bon, j'ai construit mes habitations. Ici il faudra très rapidement que j'aille chercher ma... Il me faudra deux pour mon armée en fait, de Toubib. De moine. Après, je sais pas si c'est possible de battre la Pologne avant qu'ils vous trahissent. Je dois admettre que j'ai... Je crois pas que ça me soit arrivé, parce que d'habitude, en fait, vu que je trahis moi-même, la question se pose pas. Mais bon, peut-être qu'il nous... par contre, oui... vos chevaliers seront ultra importants pour les... Voilà, donc la relique, on va l'avoir. Leur vitesse, ça sera agréable en plus. Ça aussi, ça sera agréable. Donc là, objectif, âge impérial. Et vous allez très rapidement, en fait, remplacer vos troupes par des... unités de cavalerie en fait. Une fois que vous aurez assez de nourriture pour supporter. Je fais perdre mon transporteur. Là je vais en construire un nouveau, enfin mon navire de transport, parce que sinon. Sortirait pas. Donc là ils m'attaquent beaucoup au sud, ce qui est bien, ils attaquent pas mes alliés, d'habitude ils me les rasent, ou ils essayent de les raser au moins. Mais là pas du tout, c'est pas important pour eux, donc j'en profite. J'ai des moines. Donc... Ça fait déjà un truc en plus pour moi, voilà. Alors ça c'est bon. Donc ça, on y débarque ici, on y rase et on prend ce aussi. Voilà. Bon, l'avantage avec la technique quand vous rasez en rébellion avant qu'ils vous trahissent, c'est que vous aurez un peu plus de ressources à votre disposition plus rapidement. Mais bon, c'est... Ça se discute, ouais. C'est pas un problème de l'avoir plus tard, quoi. Enfin, moi, j'ai pas trouvé que c'était un problème d'avoir que maintenant les ressources. Attendez. Il était rasé comment, ce château-là? Ah non, il n'a pas été rasé. Vu qu'il a été vu par la Pologne et que la Pologne m'a trahi. Vu qu'il a été vu par Henri Le Mion et qu'Henri Le Mion m'a trahi, je vois plus ce qu'il a vu. Si le coup il a perdu, je ne sais pas comment il peut le perdre. Parce qu'Henri Le Mion n'attaque pas en fait les. Enfin, il n'attaque pas. Il veut pas faire de dégâts à Pologne. Je trouve débile. Mais bon. Voilà. Donc ça, j'abandonne. Voilà. On a essayé d'abattre le deuxième château. Et parfois, les béliers me font des choses. Généralement, c'est quand ça sort de la hauteur que... Parfois ils font des trucs qui vous surprennent, mais... Yeah.
Mais sinon, globalement, ça va plutôt bien. Est-ce que... Je pense pas que les tours avec ce raid. C'est pas grave. Par contre, une première chose qu'on va faire, c'est faire chimie, puis après on fera gagnant à canon. C'est ce qu'il y a de plus efficace contre eux en fait. Étant donné que, à part ce château là que vous pourrez pas avoir avec les gagnants à canon, vous pourrez quasiment tout avoir avec le château là, vous pourrez le démolir, ou l'atelier de siège. C'est un château là-haut. Le château là, vous pourrez avoir avec les gagnants. Et vu qu'en plus ils ont plus de ports maintenant, pas oublier toujours cette situation là, on a détruit ces ports. On n'est pas un tueur d'escorte. Ce qui en soit très agréable. Voilà. Une cœur. Donc, on continue notre boulot, nous, avec nos béliers. La chimie coûtera 300, les galions devraient coûter 500. Je sais plus. On envoie mes troupes. Alors, à savoir qu'au début, même une fois qu'ils seront délits, c'est parfait. Je vais préférer faire des paladins, des cavaliers, tout ça, pour une raison simple. Ils sont plus mobiles. Je peux les soigner, donc c'est plus un problème. Et c'est surtout que contre les armes de siège, le problème qui sont tellement lent, mes unités contre les catapultes, ça pose un petit problème, de manière générale. Que j'aimerais éviter. Persiste. Donc ici on va faire ça, on va même faire quoi que cette recherche là me retarderait sur ce que j'ai envie de faire, donc on va peut-être éviter. Voilà. Par contre on va faire la recherche des béliers se renforcer. J'ai beaucoup de ressources, donc ça posera pas un problème. Je suis en train de réfléchir en fait, tous sont les derniers châteaux. Alors, de mémoire, ça c'est un château en fait. Ici, je me souviens bien de ce qu'on a vu avant. Bélier renforcé, c'est fait. Ici, il me faut cette recherche-là. Là, le galant, ça demande 500 bouffes. Ah non, 400. Par contre, faut admettre que quand même, les Goths, c'est quand même une faction très fragile en défense. Ils ont pas de mur en pierre, ils ont que des tours de guet et des châteaux en défense. T'es très vite limité. Et là on peut faire espionnage. Ah bah voilà en fait. Voilà, j'ai trouvé ce que je voulais trouver. Maintenant ils viennent ici mes troupes. Et ça sera bon. Et on va bloquer le passage à gate ici. Donc il y a deux passages à gate. Vous bloquez ici et là c'est bon. De manière générale, vous ne serez même pas attaqué chez vous. De cette manière. Vos alliés vous fournissent énormément de bois. Donc vous n'aurez pas besoin de bûcherons. L'or, vous n'aurez pas trop en avoir besoin aussi. Oh, c'est bon, il va y aller dessus. Normalement.
normalement. Voilà. Donc maintenant, mes galants canons vont finir le boulot, donc j'envoie ce qu'il faut. Et vont me finir le travail. On va, en soi, c'est pas une mission compliquée, celle-ci. Même globalement simple, il faut avouer. Mais bon. Elle est juste longue. Ce qui est long, en fait, c'est généralement si vous faites... Là, j'ai joué de manière normale. Quand vous découvrez la mission pour la première fois, quand vous connaissez la mission, elle est beaucoup plus courte, étant donné que vous allez tout de suite raser, en fait, en rigolant en mettant en neutre. Ne cherchez pas à libérer que les villageois. Si vous êtes tenté de libérer les villageois, en fait, il va vous trahir. De toute façon. Donc vraiment, tuez-le. En neutre. Une fois qu'il est totalement rasé, vous détruisez la porte, vous récupérez les ressources. Vous allez aux villageois, vous lancez rapidement une économie. 10 charades de commerce. Pour l'or, vous voyez, l'or, j'aurais... Quand on regardera la fin de commerce que j'ai fait en avis, ça doit être un bon petit nombre. Et ici, on va faire des cavaliers en plus, on va faire ça en plus. Et voilà, comme ça, on va finir la partie avec des cavaliers en canon. Donc comme vous voyez, c'est une mission qui est globalement pas trop dure. Et elle pourrait être encore plus rapide, comme je viens de vous le dire, en rasant en rigolant dès le début. Mais... Voilà, fait un peu de challenge quand même. Surtout que les Goths, la Pologne et en rigolant font toujours la guerre entre eux. Dur. Henri s'attendait à être traîné et écartelé, ce qui était le sort d'usage pour les traîtres à cette époque. Mais Barbrousse a reconnu les potentialités d'une alliance forte et lui a pardonné officiellement, à condition qu'Henri le Lion jure d'apporter son soutien à Barbrousse à partir de maintenant. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Henri a accepté. L'Allemagne a été unifiée et Henri le Lion était en paix. Mais l'Empire romain chrétien n'était pas achevé. Se référant à Charlemagne, l'Empire revendiquait la possession de l'Italie et en particulier de Rome. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. On va quand même pas faire 30 missions tout de suite. Donc militaire. Ah, j'ai perdu énormément d'unités à distance, bâtiment rasé, perdu, et beaucoup de béliers aussi, j'ai perdu. Donc économie, vous voyez, j'ai reçu que 18 000 de ressources, essentiellement du bois et de l'or. Un peu, pas mal de nourriture quand même, mais c'est quand même pas l'essentiel. Et vous voyez, j'ai quand même fait 4 694 de profit grâce au commerce uniquement. Donc ce qui est quand même pas mal. Hein. Âge impérial, non, la vidéo dure moins longtemps que ça, vous inquiétez pas. Nombre de développements, tuteurs, reliques, nombre max de vie. Pas 22 villageois. J'avais moins de 22 villageois, donc c'est pas possible. Ah, nos max de villageois, excusez-moi, nos max de villageois, ils comptent les villageois et les charrettes de commerce. Oui, c'est pour ça qu'il y en a 22. J'avais 12 villageois plus 10 charrettes de commerce. Parfois, le terme villageois est mal adapté. Et eux, ils avaient que de l'économie, et Henri le Long et Goth n'avaient que de l'armée. Donc voilà. La prochaine fois, nous attaquerons à Pape et Antipa, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et à tout le monde, encore merci d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie.